Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de Gwen à la top lane. Alors, Gwen top, un champion relativement récent, sorti à la suite de Viego, comme opposition pure à Viego d'ailleurs, pour ceux qui le savent. Il y a des expérimentations musicales qui ont été faites entre les deux champions, et le thème de Viego et celui de Gwen à l'envers, et celui de Gwen et celui de Viego à l'envers, à quelques détails près, c'est assez rigolo. Et donc, on va voir que dans le kit du champion, on s'en fiche. Gwen, c'est un champion à part entière qui a été designé comme elle le voulait, si ce n'est qu'elle a à peu près la même arme, vous le voyez ici. Dans cette vidéo, on va surtout regarder les sorts de Gwen. On va regarder ses builds, l'esprit du champion. De manière à ce que, à la fin de cette vidéo, tu saches build Gwen à peu près, peu importe la méta, dans les prochaines années. C'est ça le but de cette vidéo. Donc, on va commencer sans plus attendre par juste la lecture du passif de Gwen, qui s'appelle 1000 coupures, du terme en anglais Death by a Thousand Cut. La mort par 1000 coupures, voilà. Les attaques de Gwen vont infliger des dégâts en fonction des PV max adverses, ça scale très lentement avec son AP et à l'impact. Elle récupère des PV équivalents à 50% de ses dégâts. Donc quand le passif de Gwen se met à tick sur des tanks, elle régène beaucoup. Les dégâts sont capés sur les monstres et accessoirement, elle fait des dégâts supplémentaires aux sbires qui ont moins de 40% de leur point de vie. Pourquoi il y a ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux farmer sous tourelle avec Gwen, c'est très facile parce qu'elle a ce passif qui arrive en plus, qui est assez gratuit. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus sur Gwen. C'est un passif qui est très simple, qui n'a pas... qui paradoxalement est relativement net. Et juste une chose, ça marche pas sur les tours. Voilà. Dommage, mais c'est comme ça. Sort suivant. Tchac tchac. Un passif qui lui permet de cumuler des stacks. Quand on met une auto, elle cumule des stacks. En activant, elle cumule elle libère ses stacks. Et elle va couper une fois avec ses ciseaux, une fois de plus avec chaque stack, puis une dernière. C'est-à-dire qu'on voit il y a 4 stacks et je vais prendre 4 coups de ciseaux. Non, il y en a 6. Il y a 6 fois le passif. Parce que le centre de chaque coup applique le passif et convertit ça à 50% en dégâts bruts. Ce qui est important à savoir, c'est que du coup, Gwen, vous vous fichez un peu du nombre de stacks que vous avez pour lancer votre A. Il y a un truc, si j'en ai 4, je fais plus de dégâts. Bah foncièrement, ok, tu vas faire 10 points de dégâts, plus 10 points de dégâts, plus 10 points de dégâts, plus 10 points de dégâts, ouais, ok, cool. Et le total, le dernier coup, il fait 60. Tu passes de 70 à, tu rajoutes et tu vas à 120. En soi, tu fais déjà les 2/3 des dégâts avec ton A. Alors, il y a le passif qui va par-dessus, ce genre de choses-là. Et grosso modo, les dégâts de base, ils vont scale en fonction du niveau de votre sort. Le délai de récupération est divisé par 2 quand vous le maxez, c'est assez sympathique. Ça inflige moins de dégâts aux sbires, mais pour les sbires qui ont moins de 20% de leur point de vie, les dégâts sont augmentés de 1000% au lieu d'être réduits. Ça sert à quoi? Grosso modo, c'était un sort qui anti-farmait Gwen, qui était pas très fun. Au final, c'est plus, c'est pas est-ce que ça rend le champion dur, c'est tu es obligé de splash dans la wave pour récupérer des CS. Et la manière dont fonctionne le champion, si tu peux rater un CS à 3 fois rien. Et un peu comme Rumble, ils ont mis des mécaniques qui permettent de s'assurer que vous farmiez les CS si vous êtes prêt de les avoir. Ce qui fait que Gwen, c'est extrêmement bon pour récupérer les canons et les sbires de siège. Donc là, tout forme de sbires de siège. Les sbires tanks ont beaucoup de points de vie, donc typiquement les super sbires. Parce que 20% de leur PV, c'est beaucoup, et 1000% d'augmentation de dégâts, c'est huge aussi. Vous farmez très très bien ces sbires. Mettre un Q-spell pour récupérer sur le dernier coup, je rappelle, on multiplie par 100 les dégâts, hein, ça fait 6000 le dernier coup, sur un canon, c'est très rentable. Ce qu'il faut savoir sur ce sort, c'est que tous les spells bloquent ne bloquent qu'un coup. Donc ça veut dire que votre dernier coup, il passe à peu près à travers tous les shields. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des timings, globalement. Et c'est ça qui est globalement bon à prendre en compte, et plus vous avez de vitesse d'attaque, plus ce sort est utile. Et ses dégâts bruts sont très forts contre les tanks, ce qui fait que Gwen c'est un champion AP que vous ne pouvez pas vraiment empêcher de vous outscale. Le Z s'appelle Gwen is immune. Vous le connaissez, elle se met dans la brume sacrée tant qu'elle est dedans, et que vous n'êtes pas dedans, vous ne la touchez pas. Elle n'est pas là. Si vous êtes dedans, vous la touchez et vous lui faites des dégâts.
Pendant qu'elle est dans cette zone-là, elle gagne de l'armure de la résistance magique plutôt en masse, de 22 à 30 quand vous maxez le sort, mais surtout il y a un bon ratio AP. Et elle peut réactiver une fois cette compétence pour la recentrer sur elle, ou si elle en sort, elle se recentre automatiquement une fois dessus avant de disparaître. Ce qui est très important sur ce sort-là, c'est de le mettre au début. Vous avez une tankiness qui est monumentale, rapidement ça vaut un Jacques Chaud de stats. Si vous posez ce truc là, c'est comme si vous aviez 2000-2500 gold de posé sur vous que sur vos adversaires. Qui ne veut pas, je sais pas, 6, 7, 8 kills de plus pendant 5 secondes? Dites-moi, qui? Parce que moi je l'ai pas. Si vous mettez ce sort à la fin, vous êtes nul. Si vous mettez ce sort au début et que vous le timez bien, vous allez au moins tanker les dégâts adverses. Si vous mettez ce sort et que vous restez dedans et que la DC adverse ne peut pas rentrer, c'est comme si vous aviez un CC de 4 secondes sur la DC adverse. C'est pour ça que Gwen Exin, c'est excellent quand il y a des méta Jin, quand il y a des méta Jinx aussi, ou Aphelios, parce qu'ensuite, ils ne peuvent pas attaquer. Et vous pouvez rester sur le bord de votre zone, attaquer l'adversaire avec vos ciseaux, lui faire des dégâts, tout ce que vous voulez. Tant que lui, il n'est pas dans la zone, il ne vous fera pas de dégâts. C'est extrêmement important de maîtriser ce sort sur Gwen. Ensuite, vous avez l'élan incisif qui est le dash de Gwen, c'est une ruée et ça renforce ses attaques. Ça lui donne de la range, de la vitesse d'attaque et des dégâts on hit. C'est extrêmement puissant. En plus, c'est un reset d'auto-attaque. Et la première des attaques qui touche réduit de 25% le délai de récupération. Ça veut dire une chose, ça ne doit pas être utilisé comme un dash de déplacement. Mais, grosso modo, si tu es en train de te battre, le dash vers l'avant est récompensé parce qu'il y a le délai de récupération qui est réduit. Ça te donne un stéroïde de vitesse d'attaque qui est très fort, 80%. Ça te donne, accessoirement quand tu le maxes, un pourcentage de délai de récupération qui est vraiment fort, 65% de moins. Enfin, pour un spell qui a 11 secondes, ça veut dire que c'est un sort qui dure 4 secondes. Oh tiens, Gwen effectue une ruée et renforce ses attaques pendant 4 secondes. Oh, c'est à croire que c'est fait pour donner un stack infini en cas de la mana. D'un stéroïde de 80% d'attaque speed, de passif de la dent de Nashor et 75 de portée. Ça, c'est le truc qui fait que Gwen, à partir du level 13, ça devient un très gros champion. Elle est perma range. Accessoirement, en reset d'auto, ça marche bien sur les tourelles et ses dégâts s'appliquent sur les tourelles. Ça en fait un excellent pusher de tourelles. J'adore jouer Gwen. Et j'adore jouer Gwen aussi parce qu'il y a sa piqûre. Piqûre, c'est quoi? C'est le très vieux air de Irelia pour les plus anciens d'ici. Elle lance une aiguille, elle fait des dégâts. Ensuite, elle peut relancer 3. Puis ensuite, elle relance 5. Ça fait des dégâts au fur et à mesure. Ça ralentit pendant que ça touche. Et ça applique 1000 coupures sur tous les ennemis touchés par le nombre d'aiguilles. C'est-à-dire que les dégâts sont un peu frauduleux parce qu'il y a votre passif qui apparaît. Les coups consécutifs ralentissent un peu moins. Ok. Et les dégâts selon les PV max sont les PV max de 1000 coupures. Donc 3, 5 plus 3 plus 1, ça fait 9% ici. Et ça va scale. Résultat des courses. Quand vous mettez un tchac-tchac, maxé, donc vous avez 6 fois votre passif. Vous allez en général mettre une ou deux totos qui traînent dessus. Donc vous avez 2 fois de plus. Et vous avez les piqûres qui vous en rajoutent 9. Vous faites à tout le monde en zone 15% des PV max. Que vous rafraîchissez souvent. Ce sort sert à tuer de loin. Ce sort sert à slow les gens. Paradoxalement, si vous lancez votre R et qu'ensuite vous faites chac 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 dessus, il pourra pas l'esquiver. Gwen, tout le but du champion, c'est de s'assurer de poser des dégâts. Il n'y a que des dégâts et des manières de poser ces dégâts. Il n'y a pas de gros CC, c'est votre ultime et seul CC. Le délai de récupération est long, le ralentissement max est plutôt sympathique, le ralentissement résiduel est pas incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez repositionner votre A avec votre E. Vous ne repositionnez pas votre R avec votre E, vous le lancez et ensuite vous dashez. 1000 coupures, c'est ça qui fait les dégâts et c'est ça qui vous rend imba contre les tanks. Les dégâts bruts ici vous rendent imba contre les tanks. Et ça, c'est les outils pour gérer la range. C'est vraiment ce que vous devez comprendre sur Gwen. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on manque, Max ? Le A, puis le Z. Et si vous faites autre chose, c'est mauvais. Les summoners, on est à la top lane, on a un perso qui veut aller vite. Ghost TP, c'est très bien. Pour la bonne et simple raison que c'est un personnage qui a principalement de la move speed, et les adversaires vont pouvoir bouger quand vous faites vos dégâts, et vous vous immobilisez longtemps pour faire vos dégâts.
Donc Ghost, pour avoir trop de mousse par rapport à eux, c'est bon. Ignite, parce que l'air de rien, en fait, vous faites que des dégâts, donc vous n'avez pas besoin de les retoucher si jamais ils sont déjà morts. Flash, c'est bien aussi, parce que personne ne s'attend à un flash de Gwen. Ça vous permet de vous sortir de situations un peu épineuses, et surtout de mettre le flash coup de ciseau droit devant vous, tchac, qui est très puissant. Vous avez bien entendu toutes les combinaisons de ça, c'est-à-dire... vous jouez avec une fatigue, vous jouez avec une ignite, vous jouez avec un ghost, une ignite, ça fonctionne. Les combinaisons de sorts et de summoners sont adaptées en fonction de ce que vous sentez. Ça, c'est en fait mon adversaire va pas bouger, je dois le tuer. Typiquement, je joue ça contre Aatrox. Avec une ignite, un level 9 et mon R, les Aatrox y fondent. Ça, je joue ça contre les Mundo, je joue ça contre tous les champions que je peux outrun. Si j'ai besoin de gérer un flash parce que je dois esquiver quelque chose ou juste je dois surprendre, typiquement contre Riven, je vais jouer ce genre de choses-là. Ça c'est bonjour, ok, je vais te courir dessus, je vais te tuer. Ça c'est bonjour, je dois te flash et je vais te tuer. Et ça c'est... Coucou, en fait il y a Riven, et Riven c'est même flash fatigue que j'aurais tendance à prendre dans ces cas-là. Alors je les ai pas dans la complète sur les trucs qui sont moins pris, mais tout ça c'est viable. Les summoners sur Gwen c'est quelque chose que vous allez devoir apprendre. C'est compliqué, parce que c'est pas juste vous dites, vous prenez ça et ça marche. Non! Vous prenez ça, il faut voir le playstyle qui va avec, les timings, il faut les apprendre, et ça, je peux pas juste vous le dire, ça dépend des matchups, ça dépend presque des méta, en fonction de l'itemisation et de la puissance de vos sorts. Si vous jouez une Gwen attack speed, Ghost c'est souvent plus puissant que le reste. Si vous jouez une Gwen caster, c'est-à-dire sans attack speed, bah Flash Ignite c'est bien. Mais ça va dépendre de tellement de facteurs que je ne pourrais pas vous conseiller à ce niveau-là. Par contre au niveau des runes, je vais pouvoir vous conseiller. Il y a des choses à dire à ce niveau. Et il y a à dire qu'il n'y a rien. Voilà, donc voici les choix qui vous sont disponibles. Vous pouvez jouer Conqueror, Conqueror, Conqueror ou Conqueror. Attention, quatre choix quand même. Et dedans, vous jouez avec, et c'est là où vous avez un peu plus de choix, est-ce que vous voulez plus de présence en lane? Ça a été nerf sur ce patch, ça a été nerf sur des stats que je n'ai pas, donc c'est probablement une mauvaise option à l'heure actuelle. Mais ça, c'est quelque chose qui change littéralement tous les patchs en ce moment, donc je ne saurais pas vous conseiller. Regardez si c'est pique à l'heure actuelle. Vous allez voir votre site préféré et regardez si c'est pique. Sinon, c'est toujours la mana sur Gwen parce qu'elle consomme énormément de mana. Attack speed, pour la bonne et simple raison que c'est un auto-attaqueur. Vous pouvez jouer éventuellement, si vous jouez caster, flash ignite sans attack speed, vous pouvez jouer avec Legend Haste. Et c'est un personnage qui va avoir deux fonctions dans le jeu. Prendre des dégâts et faire des dégâts. Ou faire des dégâts des gens full life. Gwen, ça arrive rarement pour clean up. Gwen, ça balance ses spells et les gens sont full life quand ça les touche. À partir de ce moment-là, la suite est assez simple. Soit vous jouez pour le reset en teamfight et j'ai beaucoup d'AP. Soit vous jouez pour les rouges et c'est j'ai un dash, je fais des dégâts supplémentaires et je trouve des dégâts ailleurs. Je suis pas fan personnellement. Soit vous avez les options, je gère ma lane. Gwen, c'est un champion qu'on a tendance à vouloir agresser en trade court. Du coup, Plague Dust, ça paraît pas mal. Le problème de ça, c'est que c'est que dans des match-ups, vous avez besoin de Plague Dust. Dès que vous pouvez vous en sortir, souvent second souffle, c'est meilleur de par la manière dont ça fonctionne. Il y a des gens qui pensent encore que jouer inébranlable c'est bon, la réponse est c'est non, tant qu'il n'y a pas un rework, vous checkez entre la sortie de cette vidéo et là, s'il n'y a pas eu un gros rework de inébranlable, en attendant c'est non. La rune n'est pas assez forte en early game, faut que je fasse une vidéo, que je fasse un graphe de l'efficacité d'inébranlable par rapport à toutes les autres runes dans les cas classiques, et vous montrer que si vous vous appelez pas Rell, Leona, Xin Zhao qui dive level 3, ça ne sert à rien. Vous jouez ça ou vous jouez ça. Je suis personnellement pas si fan du sustain parce que vous allez pas trop, enfin, ça a été retiré un peu du jeu l'omnivamp, donc oui vous avez de l'omnivamp à la fin, oui vous pouvez jouer un créateur de fight qui vous donne de l'omnivamp à la fin, mais dans les faits vous avez déjà gagné ou perdu vos matchs. Je préfère avoir des points de vie personnellement, c'est un style. N'oubliez pas que Gwen, si vous pouvez split push, les tourelles vous les mangez et vous les mangez très 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 vite avec démolition, ça fonctionne bien. Sinon, vous avez l'option, je prends des golds, qui sera souvent, je prends des bottes et je prends des cookies pour avoir un peu plus de mana, pour avoir un peu plus de vie en lane, pour gratter 300 golds, pour avoir un timing, un item plus puissant et pour snowball plus fort. Ce qui est vraiment ce qui peut fonctionner. Le truc, c'est que vous perdez les options défensives, vous perdez démolition et vous perdez surcroissance, qui sont deux runes qui sont très puissantes ensemble. Ces deux runes-là sont très puissantes ensemble. Cette rune-là est sympathique. Regardez un peu en fonction de vos builds, mais si vous avez beaucoup de régène dans le jeu et que l'omnivamp est de nouveau disponible... C'est pas le cas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, mais s'il y a beaucoup d'omnivamp, oui, cette rune-là est très forte. Sinon, les autres sont généralement plus costauds. C'est ça que vous allez trouver. Pour les starters de notre ami Gwen, vous avez un champion AP. Vous avez un champion AP qui met des autos.
anneau de Doran, sauf s'il y a un range. Ou là, c'est bouclier de Doran. Pour les bots, c'est très simple. Vous avez un champion qui va avoir tendance à avoir peur des AD. Donc vous allez vous retrouver à prendre des bots de... des coques en acier assez vite. Et le problème que vous allez rencontrer, c'est que Gwen, en plus, vous allez vouloir rusher vos bots tôt. C'est pour ça que les bots légèrement magiques, c'est un peu dangereux, dans le sens où, comme vous avez besoin de move speed pour poser vos dégâts, et que vous vous immobilisez pendant que vous posez vos dégâts, vous avez besoin de plus de move speed que votre adversaire. Vous pouvez vous retrouver à choisir vos bots tôt dans la game. Sinon, Gwen utilisera toutes les autres bots mieux. Parce que passer C égale ça bouge et ça fait des dégâts. Plus souvent, son flash ou son ghost, c'est très puissant. Les Gwen qui passent devant avec un peu de pénétration se mettent à faire trop de dégâts et accessoirement si elles veulent de la move speed, donc les célérités c'est toujours bon. N'oubliez jamais que si vous pouvez vous passer des coques en acier sur Gwen, faites-le, ça va vous donner une win rate. Sinon, c'est coques en acier. Au niveau des builds, alors, pour les builds de notre ami Gwen, qu'est-ce qu'on a ici? Je vois deux starts, si ce n'est trois. J'aime bien jouer ce start-là contre les tanks. Notamment, vous avez un Malphite, ce genre de choses-là, vous faites ça, et le Malphite, il a juste envie de vous. Il veut faire des choses à vous, vos frères et sœurs, vos enfants, vos parents, vos aïeuls, enfin, genre vraiment, le, pour un Malphite, le truc qui tic après le trade, c'est... il n'y a rien de pire, parce que ça augmente de 5 secondes la période pendant laquelle il ne peut pas trade. Donc ça augmente votre période pendant laquelle vous êtes tranquille. Sinon, il y a deux options qui fonctionnent. Soit vous prenez le choix safe, safe qui consiste à prendre un créateur de faille. Vous allez avoir des points de vie, des dégâts, et si un fight traîne un peu trop, vous avez l'Omnivamp qui kick en même temps que votre conquérant, ce qui vous permet de fight. Ce qui vous permet de gagner. Contre les fights très longs, c'est très fort. Ou alors, vous avez la Gwen qui passe devant, qui met des autos, et la Dawn Nashor, c'est vraiment fort. Résultat des courses, vous vous retrouvez à... créateur de fight Dawn Nashor ou Dawn Nashor, créateur de fight. Créateur de fight Dawn Nashor, Dawn Nashor, Dawn Nashor, créateur de fight, créateur de fight. Vous voyez l'idée? Éventuellement, si vous passez un des deux et que vous n'avez pas besoin de l'autre, et que vous êtes vraiment bien, n'oubliez pas que Flamombre et Rabadon, ça marche très bien après avoir un créateur de faille, et ça marche. Peut-être la Flamombre un peu moins bien derrière une Dawn Nashor, par contre, la Rabadon, oui. Vous avez l'option, j'ai de la move speed en permanence, qui est très sympathique. D'ailleurs, hein, vous le voyez, c'est le savoir cosmique. C'est le savoir cosmique? Non, c'est cosmique dans F, c'est volonté cosmique. Excusez-moi, entre savoir cosmique et volonté cosmique, voilà. J'ai un peu de mal de temps en temps. La volonté cosmique, qui est un item qui est très puissant sur Gwen. Gwen, accessoirement, qui fait suffisamment de dégâts AP pour se retrouver dans un cas où, en late game, pourquoi pas, vous pouvez éventuellement prendre un White Staff. Sinon, vous allez prendre surtout la Fleur de Crypt. Gwen est un champion qui a deux grosses options. Je joue un peu plus tanky. Avec un peu d'utilitaire, je vais vite et je vais scale sur mes derniers items pour obtenir le moment où j'ai trop de dégâts. Ou je casse la courbe et je passe sur... Et c'est le truc qui va arriver très vite. Bonjour, j'utilise ces deux items pour snowball. Ensuite, je vais sur une Rabadon rapide. Et après, je continue à faire des dégâts avec de la pénétration et un Zonia. Et là, vos adversaires, vous allez vous apercevoir qu'ils fondent quoi qu'il arrive. Ce qui fait que les builds vont généralement ressembler à ça avec des gros win rates si vous passez. Vous voyez, il n'y a pas de gros changements. Et vous voyez que ici, le Flamombre... un peu moins intéressant quand vous prenez cet item-là, parce que la Dawn Nashor va se baser sur vos autos. Le Flamombre aime plutôt vos spells, et donc dans ce cas-là, pourquoi pas prendre quelque chose qui est purement spell, parce que là vous prenez beaucoup d'attack speed pour rien. C'est ça qui est à prendre en compte. Ce qui fait que Gwen, c'est pas très très dur à build, globalement. Vous voyez, moi je vais jouer la classique Gwen, je pense que c'est Cutdown ou la Stand, ça c'est la vraie question que vous allez vous poser, et moi j'ai tendance toujours à essayer de jouer comme ça. Ou comme ça dès que je peux, avec de l'attack speed, ce genre de choses là, et Ghost ou Ignite TP, au choix. C'est ce que j'ai tendance à jouer. Je vais vous conseiller Ghost, Ghost parce que c'est le standard, mais c'est ce que j'ai d'habitude. Sur les starters, Doran Ring, n'hésitez pas à faire un cull. Vous êtes un champion qui est plutôt late. Sur un premier back, dites-vous que si vous achetez ça, c'est un investissement, ou à la fin, quand vous l'avez farmé, vous gagnez 250 PO. C'est un moyen d'obtenir un kill. Vous investissez 450 gold pour obtenir un petit kill de plus. Si vous n'avez rien à faire, c'est toujours gagner de l'argent. Ce qui est intéressant dans tout ça, et qu'ils ne le mettent pas ici, c'est que vous avez quand même du lifesteal, donc un peu plus de régène. Donc ça peut être pratique pour un personnage qui met beaucoup d'auto-attaque comme Gwen. Regardez-le, ça existe. Vous allez généralement avoir des steel caps, ce qui va nous intéresser la plupart du temps dès qu'on est devant, c'est les bots de lucidité. Parce que c'est très puissant. Et en AP, vous voyez que votre corps, il va ressembler à ça.
Là, vous avez une Gwen qui fonctionne. Vous adaptez la Rabadon, le Zonia et la Fleur de Crypte en fonction de ce que vous voyez. Mais vous allez avoir Dawn Nashor ou Riftmaker, et vous pouvez intervertir autant que vous voulez, et les trois autres. C'est vraiment ça que vous devez comprendre. À partir de ce moment-là, vous avez tout sur Gwen. C'est un champion qui est difficile à prendre en main, qui est très sympathique, mais qui est difficile à prendre en main. Vous étonnez pas si vous avez 30 ou 40 games avant d'avoir vraiment le feeling de la manière dont vous faites vos dégâts. C'est un champion qui favorise aussi beaucoup votre gestion de lane. Donc là, je vous redirige vers mon Patreon pour les vidéos que j'ai fait, que ce soit de la théorie, les reviews ou les coachings qui sont disponibles dès le premier tiers vidéo pour tout le monde. Et vous allez pouvoir trouver des choses qui vous intéressent sur la top lane à ce niveau-là. Et si jamais vous voulez un autre guide, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quel champion vous voudriez. Et n'oubliez pas de vous abonner et aussi de liker cette vidéo pour qu'il y en ait plus. On se voit pour une prochaine, plus en lane.